Bonjour les abonnés, voilà, vous êtes sur la chaîne de Didier Gosse. Voilà, j'ai eu la chance de visiter le manoir de Guy Lux. Donc là je vous mets une petite vidéo juste après mon petit message. Donc voilà, vous le voyez bien derrière moi, il est dans un piteux état. Aujourd'hui il y a des champignons. Donc voilà, vous voyez qu'il est dans un piteux état. Donc je fais des photos et une petite vidéo pour visiter le manoir de Guy Lux. Voilà. Et ben moi je suis super content parce que bon, un petit peu déçu là, parce qu'il est dans un état impitoyable. Impitoyable, dommage qu'il n'y a pas de repreneur, c'est dommage, ça serait bien. Et donc voilà, mais bon, je suis quand même heureux d'avoir mis les pieds dans la maison de Guy Lux. Voilà, et ben je vous fais tous des gros bisous et à bientôt pour une prochaine aventure. Didier Gosse. Voilà le manoir de Guy Lux. Dans un piteux état. Donc c'était sur mon chemin. Je me suis arrêté. J'espère que je vais pouvoir le visiter. Il est dans un mauvais. Très mauvais état. Très mauvais état. Dans l'état qu'il est. J'ai cru voir un passage. J'ai escaladé, que j'ai plus longtemps. J'escalade. Voilà. Voilà mes abonnés. On va prendre la lumière. Je suis dans le manoir de Guy Lux. Alors attendez, je vais prendre de la lumière. J'espère que je ne vais pas être dérangé. Allez, c'est parti pour la visite. C'est vrai qu'il est dans un piteux état, ce manoir. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Regardez dans l'état que c'est. Là, je n'y crois pas que je suis dans le manoir de Guy Lux. C'est immense. Regardez la belle cheminée. Grand couloir. Grande
une pièce. Moi, j'ai pas assez de lumière. Va prendre l'escalier. Dans un piteux état. Là, on est au premier. Il y a des pièces partout. On voit bien dans les taxis. Hein. C'est vraiment dans un très mauvais état. On peut même plus aller là-haut. Une petite pièce là-haut. Celle de là. C'est bizarre de mettre les pieds où Gellux a vécu, quoi. Dans son château, regardez dans les taxis, il n'y a plus rien. Ça donne dehors, là. Je suis quand même content d'être là, parce que je pensais jamais venir visiter le manoir de Gellux. Je me suis arrêté sur la route, exprès. Je suis vraiment content. On voit que les sols y travaillent. Punaise. Il faut faire vraiment attention où on met les pieds parce que ça peut s'écrouler. J'irai pas marcher là, c'est trop gondolé. Regardez, je vous montre le sol. Je vais passer par là. On se perd en fin de compte là-dedans, c'est tellement immense. Et bon, le problème, ça ressemble plus grand-chose, quoi. Tout est vraiment saccagé. Tous les planchers, regardez, c'est en bois. On voit bien dans l'état. C'est vraiment dans un mauvais état, quoi. Le problème, il y a des escaliers partout. Regardez comment c'était joli. Je sais pas pourquoi il y a des planches comme ça. Je sais pas, il y a dû passer par les fenêtres, je sais pas. On va essayer de monter gentiment. Si je me fais prendre, hein, je vois pas ce qu'on peut me dire. Franchement, dans les taxis, ce serait bien d'avoir un repreneur. Regardez les grandes fenêtres. C'est vrai que les pièces sont pas si grandes que ça en fin de compte. Je marche doucement parce que jamais le sol, on va descendre. Là, je vais être dans les combles. Non, si on s'aperçoit que c'est dans un mauvais état, moi je pourrais dire que j'ai fait le château de Gellux. Oula. Surtout pas marcher là. Regardez, je vous montre le sol. Regardez, dans les taxis, un peu plus. Regardez. Donc je vais repasser par là. Je vais pas prendre de risque. C'est vraiment dommage.
Il est magnifique. Alors le problème, il y a des pièces partout. Merde, je me cogne la tête, moi. Alors, attendez. Ah non, je suis venu tout à l'heure de là, où j'ai pas pu monter, d'accord. Au moins, faire attention. Si vous venez là, c'est quand même assez dangereux. Le sol, il est vraiment pas stable. Donc, faut s'imaginer que Guilux, il vivait ici, quoi. C'est quand même sympa, hein. C'est dommage que un si beau bâtiment comme ça est abandonné. Regardez, je vous montre dans les accès. Je peux pas aller dans la pièce à côté, regardez, regardez le sol. Je crois que je suis devenu de par là, je crois. Ouais, donc on va passer par là. Et donc on a eu un... C'est malheureux de voir ça. Je sais pas si j'ose monter là-haut. Toilette. Ouais, toilette. On va essayer de monter doucement. Qui va à 100 km/h parce que comme c'est pas très stable, regardez le sol, j'essaie d'aller sur les poutres principales là juste pour voir où ça emmène. Voilà, j'espère que ça sera bien filmé pour vous montrer. Voilà, je suis vraiment tout en haut là, c'est dans un état. On voit bien que ça va pas durer longtemps, ce manoir. Il arrive vraiment à la fin. Tout en haut. Alors, je sais pas comment ça va être filmé, mais... J'espère que ça sera bien filmé parce que je viendrai qu'une fois ici. Regardez, il y a des passages partout. Oh voilà, ça c'est pas paranormal. Quoi, j'espère pas, je pense pas. La porte elle s'est fermée toute seule. Bon, ça fait flipper. C'est vrai qu'on entend des bruits bizarres quand même dans ça. Mais je pense que c'est les courants d'air, parce que comme aujourd'hui il y a du vent. Là, comme je le répète, hein, nous sommes dans le manoir, dans la maison de Guilux, on l'a fait ici. J'ai perdu un grand couloir. C'est surtout que. Alors attention, on met les pieds. Une baignoire, je ne sais pas comment on l'a fait pour atterrir ici. Je vais finir un peu plus doucement. C'est bizarre quand même de rentrer dans un lieu... comme ça, qui est une personne très 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 connue. Là, on va redescendre. Regardez dans les accès. Pour ceux qui connaissent le manoir de Guilux, ils vont reconnaître. Ils verront dans les accès maintenant. Maintenant, pour le sauver, ce manoir, je crois que
Je sais pas s'il y a une possibilité ou pas. C'était bien ici. Hein. Descendre par là. Je ne suis pas descendu par là. Je sais pas où je vais. Là, on descend dans le sous-sol. Je suis venu par là. Je suis venu par là. Là, on ne peut pas y aller, c'est inondé. Le sous-sol est inondé. Je vous montre, regardez. Les trompes, ils sont inondées. C'est pour ça que je pense que le manoir il s'esquinte vite à cause de l'eau qui remonte. Hein. Ah, c'est des toilettes récentes, ça, tiens. Bizarre. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc voilà, donc on est quand même dans le manoir de Guilux. Hein. Donc je me répète, mais bon, c'est pas tous les jours. Quoi. C'est pas tous les jours.
Allez, je reprends la vidéo. Donc, j'espère que les photos vous ont plu. Je crois que je suis passé par là. Je suis passé par là. Regardez la belle cheminée. Tous les sols gonflent, on voit bien. Alors on voit que l'escalier est pas très droit. Ça commence à bouger grave quand même la maison. Je crois que j'ai fait tout le tour. J'avais cet escalier là qui me fait penser. Il me fait penser à l'escalier du colimaçon. Donc je ne sais pas ceux qui ont vu mes vidéos. C'est le même style. Le même escalier. Strictement pareil. Alors je ne sais pas si j'étais à côté ou pas, j'en sais rien. On va aller voir, mais je ne sais pas si je peux y aller. Si on peut y aller, c'est pas trop grave. Mais bon. C'est bizarre qu'on ne peut pas y aller. Ah si, peut-être. Ah si, si, ça fait partie. Voilà. Là, voilà, donc on est dans l'autre partie, ça. Regardez dans les taxis. La prochaine fois, je prendrai une ampoule plus puissante que je ne m'attendais pas à être. Regardez comment elle est belle cette cheminée. Je n'ai pas trop encore abîmé celle-là. Elle est belle. Hein. Regardez, ils ont fermé avec des planches. Mais bon, parler. Comme je vous dis, hein, je crois que pour ce manoir-là, ça n'est peut-être pas trop tard, mais il faut vite qu'il soit repris, quoi. C'est trop pris pour être rénové. Ah, c'est dommage que j'essaie de vous faire des photos. Dommage. Alors, attendez. Voilà mes abonnés, donc on a fait le tour, j'ai plus qu'à retrouver maintenant la sortie, donc là encore une fois, donc j'étais dans le château, le manoir de Guy Lux. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de rentrer dans un lieu où il y a une personne de connue, donc voilà, c'était sur mon chemin, donc regardez, je vous montre derrière, je suis super content de l'avoir fait, dommage qu'il reste plus rien quoi, tout a été cassé, massacré. Et le problème, c'est l'humidité qui s'y met dedans, il est très 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 abîmé. C'est dommage que même la commune ne le prend pas pour rénover. Quoi. Même des bénévoles qui pourraient le reprendre et hop, le week-end, le rénover. C'est une bonne idée hein, de le laisser saccager comme ça. C'est quand même triste. Donc sur ce, bah, je vais faire une petite vidéo dehors pour vous montrer comment il est. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine aventure, un futur urbex. Allez, je vous fais tous des gros bisous, à bientôt.
Alors là, les abonnés, je suis rentré dans la petite maison avant d'entrer dans la maison à Guilux. Donc il y a une petite maison que j'avais pas vue. Donc, je rentre dedans, un peu plus stable, avec la porte qui est par terre. Bon, vous avez vu dans l'état que c'est quand même. C'est triste à voir. Voilà. Je sais pas, il y a des portes qui sont fermées. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Attendez, on regarde. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis des clous. Pour éviter les courants d'air, peut-être. Ah, là, on peut pas rentrer. C'est bizarre. Fermé. C'est peut-être squatté, tu me dirais. Ouais. On va faire le tour. Hop là, voilà la cave sous la maison. Regardez comme c'est joli. Voilà. C'est pas grand, mais fallait voir quand même. Tout le domaine de Guilux. Il y a du vent aujourd'hui. Donc là, c'est peut-être la petite maison du gardien, je pense. C'est la maison, c'est marrant. Il n'y a pas d'étage. C'est bizarre, ça. Peut-être la porte fermée. Peut-être. Ah, c'est un truc. Non, on peut pas, dommage. Ah, juste une pièce mystérieuse. Un petit urbex qui se termine. Bah, je le répète, mais bon, je suis quand même content d'avoir visité cette fameuse maison de Guilux. Voilà, voilà. Allez, moi sur ce, je reprends la route. Allez, ciao.